Eh bien, c'est plein de choses à la fois. C'est, d'un point de vue personnel, c'est un peu prendre la responsabilité de raconter des histoires. C'est avoir la chance d'avoir une place un petit peu, je dirais pas hypocrite, mais un concept qui est sans doute pas loin dans la société. C'est-à-dire qu'on peut à la fois critiquer, commenter, s'extraire du système tout en étant, en ayant les deux pieds dedans, c'est-à-dire gagner bien sa vie, faire un métier plutôt épanouissant, plutôt socialement reconnu, etc. Donc d'un côté très très cool, et en même temps on a le droit aussi de dire que la vie n'est pas si cool que ça. Donc il y a un côté un petit peu hypocrite qui est assez agréable. Voilà, c'est un très beau métier. L'idée de raconter des histoires, de déstructurer, restructurer, jouer avec des acteurs, etc., c'est très épanouissant. Et puis, c'est aussi une place complètement dérisoire dans la société, c'est-à-dire que les grands changements de ce monde et la direction un peu catastrophique dans laquelle va le monde, finalement, on est là, on la regarde, là encore, on la commente. C'est totalement dérisoire, à la fois, c'est très important parce que si on réfléchit en creux, un monde sans cinéma serait un monde encore plus triste que ce qu'il n'est. Mais d'un autre côté, oui, j'ai parfois l'impression d'être l'orchestre du Titanic, c'est-à-dire continuer à faire des petites mélodies sympas pendant que tout le monde prend l'eau, quoi. Et donc voilà. Mais jour après jour, c'est très agréable.